Dans le Novum Organum au XVIIe siècle, Francis Bacon dit que l'esprit de l'homme est déformé par des idoles. Pourquoi utilise-t-il ce mot idole? Idole vient du grec eidolon, cela signifie une image de la divinité. Et en effet, lorsque l'esprit de l'homme vénère, lorsqu'il idolâtre de telles images, eh bien, il s'éloigne de la vérité, son sens critique se trouve amoindri, se trouve en fait empêché. Les idoles sont tous ces préjugés, ces idées toutes faites qui nous éloignent du vrai et nous empêchent d'être objectifs.